Yo la family, c'est Lord Fab, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy et dans celle-ci, on va essayer de comprendre si le jeu nous dit des conneries ou pas quand il s'agit de nous parler des pourcentages sur les bannières. Alors quand on est free to play, on n'a pas beaucoup de ressources, mais les nucléus noirs, on en a beaucoup. Alors du coup, la vraie question c'est, est-ce que si on a 334 nucléus noirs, on a vraiment un SSR? Bref, c'est Lord Fab et je vous en parle tout de suite. La family, ça y est, on est 11%. La team 11%, faites du bruit dans le commentaire. Merci pour les abonnements, c'est la folie. Et pour la team 89%, abonnez-vous. Alors, de retour tout de suite à la vidéo. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, dans cette vidéo, j'ai 334 nucléus noirs. Donc en gros, ça correspond à quoi? En gros, on a 3% de chance d'avoir une arme SR. Donc techniquement, avec 334, je devrais avoir 10 SR. Ensuite, on a 3 chances, on a 0,3% de chance, donc 3 chances sur 1000, donc une chance sur 333,33333. Donc il me faut 334 summon pour avoir un SSR. Ah, vous savez quoi? Regardez bien. J'ai 334 summon pile poil. Alors, petit disclaimer, on est bien d'accord que les statistiques, elles sont aléatoires. C'est-à-dire que concrètement, normalement, oui, plus je vais faire de roll, plus je vais faire de summon, et plus je vais tendre vers ce pourcentage-là. Mais normalement, avec 334, on devrait s'en rapprocher. Alors, c'est pas sûr qu'on ait un SSR, on verra. Par contre, on devrait se rapprocher des 10 SR. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite et qu'on voie justement si j'ai de la chatte. C'est parti les amis. Allez. Premier summon. Alors on devrait avoir une arme SR normalement au bout d'un moment. Donc là, que dalle, Mackenschmuskin. Hein. Ensuite, 20 summon. Allez. Ah bah vous allez pas vous faire chier dans la vidéo. Allez, 1 SR. Tac, 1 SR. Voilà. Ok. Allez, on continue. Je devrais en avoir 10, hein. On a dit 10, hein. Voir si on fait mieux que ça. Ok. Bon. Par contre, honnêtement, au niveau des ressources, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Dites-moi si vous, dans les commentaires, justement... Alors, je sais qu'il y en a qui vont dropper jusqu'à la fin de la vidéo, mais pensez à mon watch time, les gars. Pensez à mon watch time. Bon sang, la moula, la passion. Si vous allez directement à la fin de la vidéo pour avoir le résultat, 2 les amis, 2 SR, allez, et ben vous devez vous abonner, voilà, clairement. Allez, on va voir ce qui se passe. Ok, rien, c'est marrant, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu justement des SSR sur ces summons là, parce que je peux vous dire que 300 et quelques à sauvegarder, ça fait un moment que je les sauvegarde. Hein. Allez, 3. Nickel, je note en même temps, hein. Je note. Hein. Après, on va regarder combien il nous reste de summon, mais concrètement, bah, la vidéo va être courte. Par contre, les vidéos de demain et après-demain vont être vraiment chiadées, donc ça va être bien. Ok, si on a 10 pile poil, alors là, franchement, gros GG au niveau des statistiques. Alors après, il faut bien vous dire un truc au niveau du jeu. C'est que pour faire des randoms, en fait, le hasard n'existe pas dans les jeux vidéo. Ce sont des fonctions, je ne vais pas essayer de vous prendre la tête, mais ce sont ou 4, ce sont des fonctions mathématiques qui sont générées pour faire croire à de l'aléatoire, mais ce n'est pas de l'aléatoire total. Donc, du coup, effectivement, sur certaines bannières, et on l'a déjà vu sur certains jeux, il peut y avoir des biais, il peut y avoir des personnages qui sortent plus souvent, il peut y avoir des choses un peu bizarres en fonction de ce qui est, de ce qui est codé. Alors, normalement, effectivement, sur une bannière aussi importante que ça, ça devrait fonctionner normalement. Mais des fois, ça peut arriver que sur les events, ils se gourrent, ils fassent des petites erreurs. Et du coup, on a de temps en temps un peu de la merde. Alors... on va regarder, il nous reste 194 summon. Puis après, à la fin, on se fera un petit summon de couleur... comment ça s'appelle de couleur jaune, parce qu'effectivement, on veut la Samir C6 qu'on n'a pas encore. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo box. Ça vous intéresse de voir ma box. Ah, 5. 5, les amis. Mais toujours pas de SSR en vue. Allez, est-ce qu'on va choper le SSR?
Pour l'instant, non. Pas de SSR. On va regarder. J'espère qu'on va choper un SSR. Allez, non, toujours pas. Alors, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de modifications dans les animations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Dokkan, dans Dragon Ball Legend, dans Dokkan Battle, etc., il y a quand même pas mal d'animations qui sont changées. Tiens, là, il y a un SR. Hop là! Voilà, 6 SR, les amis. Est-ce qu'on va arriver à 10? Ah, pile poil, dis donc. Ça serait ouf. Mais bon, on aimerait bien le SSR quand même. Le SSR. Toujours pas le SSR, toujours pas. C'est bien dommage. Toujours pas de SSR. C'est pas grave. Je sais même plus ce que je disais précédemment, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas très intéressant. Je vous disais que là, il y a des vidéos qui vont sortir qui vont être hyper intéressantes. Dites-moi dans les commentaires, justement, quels sont les types de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Parce que là, je vous parle... Ah, 7. Là, je vous parle, on se dit les choses, etc. On est entre copains. Les gens qui regardent la vidéo à ce moment-là, je vais vous dire un truc, c'est que je pense qu'arrivé aux 10 000, je ferai un giveaway. Si on arrive aux 10 000 subscribers, followers, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je le ferai en priorité pour les abonnés, d'ailleurs uniquement pour les abonnés, le giveaway. Comment je vais faire? Eh bien, je vais donner les instructions dans une vidéo qui sera dédiée, je pense, aux abonnés, et on fera un beau giveaway. Voilà. Wow! Ouma! Putain, on a eu un SSR. Un SSR, les amis. Ah, merdasse! Pas celui que je veux. Ah, alors Ouma, c'est bien quand même. Ouma, c'est un bon breaker. On va parler dans la vidéo de demain, parce que la vidéo de demain, je vous le dis en avant-première, c'est la vidéo de la team foudre, des matrices qu'on va mettre sur la team foudre, qui est vraiment sympatoche. Un SSR, les amis. Ouais, un SSR. Donc là, franchement, c'est pas mal. On est sur... Oh, deux! Oh là là, back to back! Back to back, les amis! What the fuck, Coco Ritter? Attendez, combien il nous reste de summon? 64? What the fuck? Ah, on a pété les stats. Hein. On a pété les stats, c'est complètement vrai. Ce qui se passe, on a deux SSR pour l'instant. Il nous manque quelques SR, mais on serait bon. Hein. 9 SR? Oh là là, les amis, je vous dis même pas. On va arriver au niveau des statistiques pile poil. Alors, on a eu de la chance. On a eu deux SSR. C'est une chatte phénoménale. Donc voilà. Mais je vais regarder combien il me reste de summon. Mais là, honnêtement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, attendez, hop. Il me reste 24 summon, les amis. Mais on peut considérer que le SSR a pris la place du SR. Clairement. Ah là, GG, franchement, gros GG, 2 SSR dans cette summon session, c'est bien. Ah, voilà, il est là, le 10e, ah bah écoutez, putain, c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, on a eu quasiment pile poil ce qu'il fallait sur la bannière. On a eu 10 SR, et on a eu un SSR plus un deuxième SSR, donc là, je vais finaliser, mais en gros, bon, hormis ce SSR supplémentaire, malencontreux, j'ai envie de dire, on a eu vraiment pile poil au niveau des statistiques. Alors, ça n'en conclut, on peut pas en conclure qu'effectivement les statistiques sont totalement bonnes, mais ça tend à dire que effectivement pour les free-to-play, eh ben, y a un intérêt à faire ces summons de Nucleus et d'aller les chercher. Et moi, je vous dirais justement, pour avoir voilà, objet insuffisant, voilà, c'est parfait. Donc, what the fuck, les amis? Franchement, nickel chrome. 10 SSR. Ce qui nous faisait... Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici une petite summon des familles pour terminer. On va laisser l'animation jusqu'au bout. Et moi, je suis assez content de cette summon parce que du coup, ça montre que justement, c'est Nucleus de couleur. Il y en a qui disent, ça sert à rien, machin et tout. Ça sert, les amis. Ça sert, c'est Nucleus. La preuve. Voilà, ça compte pas hein, sur celle-là. Voilà, mais oui, ça sert bien. Donc, allez sur la map interactive et allez vraiment faire les zones à 100%. Et je vous donne le conseil, justement, de stacker. Prenez-en 334 comme moi et allez-y. Et dites-moi, justement, dans les commentaires si vous avez réussi à avoir les SSR comme moi. Parce que du coup, c'est plutôt fat. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.
Et puis, n'oubliez pas de vous abonner surtout. Vous pouvez regarder dans la playlist. Il y a pas mal de vidéos. Voilà. Et puis, merci la famille pour la force. Sur ce, je vous laisse. Allez, salut, salut. Ciao, ciao.